maximum de partage, famille. Comédie CNRD. Comédie CNRD. Je vais vous montrer la démagogie de certains pour dire qu'ils n'ont même pas honte. Attendez, hein. Bonsoir. Je vais vous montrer la vidéo des démagogues. Kaila Dola Souté Momnouna. Finkotolu. Pour vous dire que vous, vous n'avez même pas honte. Voici ce que les démagogues eux-mêmes. Regardez. Attendez. Je ne sais pas. Bon, je vais m'arrêter ici. Et quand vous écoutez ces ingrats-là, Aloum Koukalma lui est long. Sigirin Tredi, Alou Soulon Balulu, Alma Fouslon Falconobara, à la situation Kenya m'a fait. Troya Ketokoma Ayaloufa. Sigirin Bangbane Trey, ni Sigirin Goudron Kokabi, à Sababu, Alkanaouye, ni Naoko Fisrilon Balulu. Sigirin Kadelu, Kalou nomme gouvernement, Kalou Kemo Baye, Alou Fisrilon Balulu, Alkanaouye Naoko. Nous manquons à te que la ligne. À Karanine, nous manquons à te ode moukalouni. À l'alci, warini fitini mitra kadalma, à talbo fosro, qui ici, madame la camfola, quand les pomite, nele, il est le capolo, fils de l'homme balia camfoye, ko pomite, il est le calo, sous l'homme balia camwiti. En tout cas, sigiri yere orul kalou yere lo. Et même quand vous remarquez, regardez, ka demsen louta, attendez, je vais vous montrer l'image. Ka Deni Fitene Luta ko Albra Mola bo. Voilà. Voilà. Regardez, hein. Eux-mêmes ils disent, hein. Regardez les enfants comme ça. Regardez les enfants. Regardez les enfants. Aluka amine ma kosigiri kalu boni. Alte malu yala des enfants comme ça, de yena nilu. Deni minu yere masanji tan nani bo. Deni minu masanji tan loru bo. Alte malu yala. Kini isi molu nyakono, yambra jamala bo. Alte malu yala. Sigirinka. Horone sigirika lui. Vous êtes parti ramasser ka den fitini luta. Alu yere nyala. Alte malu ya. Ko mamadi dumbuya sinita. Nalule molu balo di dalalu mabi. Sani boyero le beda tunibi fisiri lom balilu kama fenetende. Sani bodia beda tunibi. Troya bra mol bobi sigiri. Activité te jabana kono. Hankiri doolu. Sigiri altale. Ils n'ont même pas honte. Alou keto moufola. Molu nyene. Bon, je reviens sur un autre encore. Quand j'ai dit ce pays là, Hankiri doolu barawara. Bon, voici encore un ici. Écoutez ça encore.
Kapo, from the independence. Abi Pombalaina. An authority to Kuran now. Albra initiative Koka Polla, Kasunya Polla. Nella Cartier, Kabozina Baldebra, Kawakan Guam Kuruma, Calvert de Telodi, Bibi Kuduram Baralauka. Iba do Nasector Kuno Sampilia, Iba Sampilia Franta, Kawa Ambra Fanfela, Kawa Swafasiafana, Pombo Brale, 12 mètres de longueur, 7 mètres de hauteur, en bitim, ouvrant Becker ou Kenny Serre de Dela. Donc, on a la matrala, à la massimée, nous qu'elle est également. Vraiment, on a le boulot, on brûle le couloir, sous le télé, on prenne. Albana ou le souro, on est le seul de cas qu'elle prenne. Albana ou le télé, on prenne. On y a prenne qu'à l'accompagner, on a imam l'eau, à nous sage l'eau, des soins. Et pourquoi on prend un canabo, sage le bébra, on a imam le bébra, à nous moussolo, qu'à la bienne nous gagne la jeunesse. Bébra accompagné, puisque Myriam Imali, il va Myriam Imata, à la dîme demain. Donc, à la basse, il y a du Kenya. À la farine, il y a un manuel à la travail. C'est pas un Kenya, à la magra. Vous savez? Ok, attendez, écoutez. Kabaka, la tano. Moi, j'ai un ami qu'on a né. Kulana, mi kalani, né. Wallahi. Bima mo bia kwena krana de kasob de kate mo mo alikiri kawula de kakwena kra vraiment wo be nu wata c'est tout mekene mo parem bale Ousmane Dabaro Camara wallahi billahi ala baraka ala sinite na adam nu me amba chokro baro kurun kini siteno mo be kurana kra mo ba botan mbekra frango konya kadou fisru lom balile mo ka valeur bla alula ibe nyina o moko ay konya ka président de l'assemblée konya ka ministre ye konya ka police kunduye o ken gene terror alu fisru lom baliw kayna qur'ana karankela comme doc mo kere faté alaye des gens comme ça co des chefs de quartier ça dit tout le monde est devenu démagogue. Les imams, les chefs de quartier, tout le monde est devenu démagogue en Guinée. Et ce qui est choquant dans tout ça, c'est moi-même, mon cousin, hein, celui qui est à la base de tout ça, c'est mon cousin. Attendez, je vais vous montrer. Celui qui est à côté, lui c'est mon cousin, celui dont vous voyez là. Lui c'est mon cousin. C'est lui qui est à la base de cette démagogie. Et pourtant, au temps du président Alpha Condé, il n'y a pas ce qu'il n'a pas eu. Ça dit, je me demande le Guinéen, comme si c'est des caméléons quoi. Qui n'a pas connu au temps de Alpha Condé, lui? Il n'est pas sorti, lui, pour aller à l'aventure. Grâce au régime du président Alpha Condé, il a tout eu en Guinée. Lui, c'est mon cousin. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes. C'est les mêmes qu'au CNRD. Et tu entends qu'au des chefs de quartier, Nafigi. Tore n'a rien à Conakry, tu obra n'aimu. Hein? Invitation à Conakry. Je vais aller m'occuper de qui? Je suis le mari de ta maman. Iba tiye ligné. Ka ina in ganyenge na nantana. Ota fala mangasiga. Na wara famine. Ka inga fala ribentana ni babara. Mfafe ne mourad tesa diyen narba. Otan kurtare. Bor. C'est-à-dire le pays est tellement gâté aujourd'hui, détruit. Et tu entends le démagogue qu'au chef de quartier de Sanoya ou je ne sais quoi. Vous ne voyez pas la route nationale aujourd'hui? Vous ne voyez pas la route de Conakry aujourd'hui? Bande de démagogues. Hé, hey, laissez-les, ils vont mettre la tête de moi, ils vont se fatiguer. Moi, ça, c'est la page du général 5 étoiles. Et même quand je finis, les gens vont venir regarder. Laissez-les, s'ils sont fatigués, leurs doigts là. Vous pensez que moi, mes vidéos, on peut couper? Hein? Tu penses que c'est moi le mari de ta maman? Ou bien Inga Nyengena Nantana? Hein?
Tu penses que je suis le copain de ta maman, Yang? Des bonnes à rien comme ça, là. Marafala, venez dans mes lives. Actuellement, là, je suis très bien préparé. Venez. Je suis tellement à l'aise. Venez. Bande de comédiens. Malouma Obe Sonode. Onufabi. Nassi Manouma propre. Très bien. Voilà. Je vais vous montrer le deuxième. Ça dit, je suis sur les démagogues aujourd'hui. Regardez encore d'autres démagogues. Co-femme battante, et femme battante colo, et femme battante musica ma bureau qui. Femme battante, elle ne va pas dans les bureaux déjà. Moi, je ne peux pas parler à la place de Dieu, mais à Yete Koulou. Cette dame-là, Nta Mouguiné, ça dit Mouguiné Rayagima quoi. Mais c'est cette dame-là à Koulou, à Bara ce bureau Yerikoui. À Koulou, à Bara Dangidénare. Oje, na ma femme battante. Il y a des femmes, et nous, et reproduction massée, Ibe. Autant Koko, Kodjako Pak, Artisia, Aura Artisia. Ça dit, vous n'avez rien à dire. Mais Marafala, oh, mou poussé. Oh, mou poussé. Wallahi, moi, Biri Samanebi. Ko des femmes battantes. Femmes n'a rien à biro et kui. Oh, mou poussé. Et ta, elle-même, elle sait, à Kolo, à Rawali n'a rien à. Oh, mou poussé. Moi, Biri Samanebi, Kenemabi. Regardez-moi des comédiens comme ça, là. Ko femmes battantes. Femmes battantes, mou brouillera pas, ma. Femme battante ne mouema, femme battante ne na erawali raba fene, femme battante ne fefany nanaba. Depuis qu'elle est venue agricultrice ou quoi. Mais montrez-nous sa production. Montrez-nous sa production. Bande de comédiens que vous êtes. Donc, famille, la journée de demain, tout le monde est invité. Aujourd'hui, c'est le 4, la journée de demain. Sur l'étendue du territoire, tous ceux qui peuvent manifester leur colère face au CNRD, faites-le. Parce que nous sommes dans un régime de voyous. Regardez, simple manif. Regardez le taxi, une dame. Vous voyez, ça ne vient même pas de ma page. Vous pouvez voir, ça y est là-bas. Une dame qui a pris une balle. Regardez, vous pouvez regarder sur le taxi même. Parce que les gens protestent. Rien ne va dans le pays aujourd'hui. Pas de route aujourd'hui. Regardez la ville de Conakry. À part Kaloum. Regardez l'autoroute. La route des Princes. Vous allez voir l'état de nos routes. Et quand les gens sortent aussi, il n'y a pas de courant. L'armée, les miliciens de Mamadi Doumbouya, ils sont engagés à tirer des balles réelles. Les preuves sont là, hein, vous voyez très bien. La pauvre dame, elle est assise derrière le taxi. Elle ne manifeste pas rien du tout. Quand on dit que les voyous la tirent à balles réelles, voici les preuves. Obarato. Obara bal tras tomeni. Et finkari boulamane. Allo enu ninge na na fekere. Des innocents. Nere yati mouna meni de. Et ta musika ma mege sougoude de. Et ta ngafe na kinara. Emre mabou. Na ginedu nou faka sonon. Ah, c'est pour dire. Ah, non. On n'a pas fait exprès. C'est rentré. C'est sorti. Un groupe de bandits réunis seulement. Kambrim pa doro malanga. Ah, la Guinée. Alara Moumali. Alara Moubadi fait tant qu'oui. Hein? Bon.
Obala Djito. Corona Nakigo, warame. Sénégal, Côte d'Ivoire, tout ça. La mengue, il y a fait l'angui. Bien fait l'angui, fait une langue. On m'a mengue, t'en fais ton monde, c'est ce que vous voulez. On a tout. Autant faut que moi, les femmes, on m'a fait jouer. J'ai dit, ouais, pour la mengue, la vision, la fouille. Bon. Vous voyez, ces démagogues, eux, ils ne sèchent leur habit que où le soleil brille. Et en a du guitant. Et ma bakouma yire tande. Ce que mouna denare. Même à kanamane, à rakana. Mais etanga geni, etanga soto. Ahmed de Paris naya. Si ce n'est pas en Guinée, est-ce que Dieu noma. Ne noma falavde et était mako leader politique. Le gars où il était. On a tout ma l'air inde. Ko siège na ira na bâtiment. Ara Guinée. La femme qu'il avait mariée là, et n'a divorcé. En Guinée, n'a pas marié. N'a baba bangé n'a pas sauvé n'a Guinée d'Ira. Awa Ahmed Fanou Sigama, Boukana Bademène, co-leader politique. Même moi-même, j'étais étonné. Hein. J'étais tellement étonné. J'ai dit, mais attends, lui, il a enlevé le bâtiment là-haut. Dja, à Temedi, n'a pas blagueur à marier. N'a pas bangé n'a pas naki. A nous, n'a pas fata Guinée. Temedi, n'a pas bangé mati. Awa Ahmed Nusigama Bukana Baramene et la Guinée qui est trompé. C'est Moudje Ira. Koko Kulamati Nanadjira. C'est Moudje Ira. Et Birina Kokoyane. Tant que Tanga Kokoya est en cobre Sotoma, c'est Moudje. Ils n'ont pas d'entreprise. C'est. Professeur Mera École. C'est. Nenana Be Alpha Kone Rata. Nenana Falama Kura Moun Alpha Kone Baranaraba Asoriki. Depuis que Mamadi est venu. Mais demandez-le, ils n'ont qu'à nous dire le bilan de Mamadi. Et Mounatan Falafé. Ça dit, il n'y a pas de bilan à défendre. Le courant qui était là, on nous a amené en arrière. On nous a arrêté. Au moins, le président Fakonde. Nana débrouillé, mané, a fait Birinaba. A groupe Somouira. A fait Birinaba, la Guinée, qui est à courant Soto. Mais depuis que les bandits sont venus, Kobri Meira et Barabou Kounakana. Parce que, étant Kobri Tongo, mané, et. Ils vont acheter les consciences à l'ONA Ahmed Modeli. Na Ousmane Fofanaï, Ousbi, tous ces gens-là, c'est mes cousins. Mentamou Megiolou Mana. Et bien démagogue. Et bien hypocrite. Ousmane Damaro, Ousbi Fofana, tous ces gens-là, c'est mes cousins. Mais ils sont tous des démagogues. Parce qu'on les a vus ici au temps du président Fakonde. Et bien démagogue. Et il y aura intérêt dans Koulou. Et mon bord aura intérêt Koulou. Donc, demagogue, mon grand flamme au bé. Wa Birinaba. Mais Aragnon m'a non dinama. Voilà. Bon, je viens, je vais vous montrer quelque chose. Mouta fala au bé, gouvernement CNRD. Mamadi Doumbouya Moutanara Tema Moutanara Gourouma. Mounou Nagan décide Nanara, Hanyoto. Mounafala, Dinara, Nanara, Nanara. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Famille. Vous avez tous vu les images de Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, du côté de la Chine, vous savez, Assimi Goïta et les autres, eux, ils savent pourquoi ils ont été. Ils sont partis en Chine.
D'abord, Mamadi est parti, il n'a même pas de protocole. Ça dit, je me demande, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont appris dans le passé pour venir s'arrêter devant nous, qui peuvent diriger ce pays-là. Celui qui s'est dit co-président, il voyage, il part en Chine. Il n'a pas de protocole. Ce que le ministre des Affaires étrangères met devant lui, c'est ce qu'il fait. Son protocole, il n'y en a pas. Parce qu'Amou Daragara, il n'a pas étudié. Amou formation, il n'y aura pas. Il n'a pas côtoyé de président. Amato, à cigare promenade Rabat de Irène Deto, dans une usine, aller se promener. Mais quel accord vous avez signé? Mamadi, tu as été là-bas, tu as signé quel accord? C'est-à-dire le Fama que tu as enlevé. Le Fama n'allait pas là-bas sans signer des accords. Mamadi, où les différences? Assimi Goïta, il faut voir Assimi Goïta. Les accords qu'il a signés. Mais vous, regardez votre équipe. À part les photos, vous êtes allé juste vous promener. Vous êtes allé juste vous promener. C'est-à-dire, avant le sommet, il y a une équipe qui est sur le terrain. Tout est déjà préparé. Et quand le chef d'État vient, on signe ses accords. Mais Mamadi, vous avez fait ça? Non. Vous êtes allé vous promener dans des usines. Vous allez dire quoi? Vous allez construire ces usines encore au Guinée? Famille, au moins, Mamadi, il a écouté mes conseils. Parce qu'il fallait le voir le premier jour avec ses lunettes noires. Tcholan, tcholan. Il fallait voir Mamadi avec ses lunettes noires. Hein? Et il tombera à la lunettier là. Les lunettes noires de Mamadi Doumbouya. Mais à cause de nous, il a enlevé ses lunettes là. Parce que, et Tregbani, il ne fait pas chaud. Ça dit Tregbani, t'es baqué. Toi, tu vas venir porter des lunettes noires. Assimi Goïta, tout le monde a vu comment il était. Tous ceux qui étaient là-bas. Toi, tu vas te lever, Konoko. Tu vas aller impressionner quelqu'un là-bas avec tes lunettes noires. Au moins, il a écouté, il a suivi nos conseils. Il a vite changé. Moma, à fond, il y en a quoi qu'on en a changé. Donc, il a vite changé ça. Famille, maintenant, on revient sur la journée de demain, sur l'étendue du territoire, il faut que les Guinéens montrent à ces bandits-là que le 5 septembre, ça a été une journée sombre. Beaucoup de Guinéens sont tombés. La Guinée. Donc, les démagogues, comme je viens de montrer, j'ai commencé par les démagogues. Ceux qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel, qui ne pensent pas à l'avenir de ce pays-là. Quand vous regardez l'état de nos routes, et depuis que les bandits sont venus, c'est plus de 19 200 personnes qu'ils ont mis à la retraite. Et jusqu'à présent, le CNRD n'a pas recruté 500 personnes à la fonction publique. Ça dit, on dit que d'après le menteur, co-secrétaire Koala, Kamano, qui dit que le CNRD a recruté 20 000 personnes. Ça dit, je me demande pourquoi ces gens-là, c'est des gros menteurs. Vous n'arrivez pas à payer les boursiers. Vous n'arrivez pas à payer les primes des diplomates. Même les fonctionnaires, vous n'arrivez pas à les payer. Tu sors, tu te flanques devant les Guinéens que oui, on a recruté 20 000 personnes, mais les gens doivent aller à l'intérieur du pays. Regardez-moi des mensonges. Voici l'excuse qu'il va trouver, venir s'arrêter. On a demandé à des gens de partir à l'intérieur du pays, qu'ils ont refusé. Voilà, voici des excuses. J'ai dit même 1 000 personnes, le CNRD ne peut pas prendre.
1000 personnes parce qu'ils n'ont pas d'argent. S'ils avaient l'argent, même 50 000 personnes, ils pouvaient prendre. Mais ils pensent que nous sommes des imbéciles. Il faut venir s'asseoir nous raconter des salades. Donc, le peuple de Guinée, sur l'étendue du territoire, la journée de demain pour la libération des détenus, les leaders politiques, détenus illégalement parce que le CNRD ne respecte pas. Hein? Non. Moi, ceux qui me demandent de retourner en Guinée, moi, j'ai dit que je ne suis pas Engagne et Baba, c'est-à-dire Engagne Ngemuntana de Khe Baba Namfe Mai Khe Baba Fin. Je ne viens pas de leur famille. Voilà. Nereto Afalamanga Siga, Osiga Onge Maori. O Baba Nanere Ranta Maradi. La Guinée Kana Nantana, Damaroka 100%. Donc vos futilités là, ça ne marche pas avec moi. Donc la mobilisation, c'est demain. Si nous restons assis, nous ne faisons rien, il n'y aura pas de changement. Il faut que les gens se mobilisent. Biringamini, Mamadou Doumbouya et son clan, et Moussé Sekolo, et pressionnent en colon. Malgré nos pressions de Roïma. C'est comme si le FNDC n'a pas tiré les leçons. Vous vous rappelez, lorsque les Djani Alpha, les Founiké, ils étaient arrêtés, c'est quand les jeunes de l'Axe sont sortis. Ils ont mis la pression sur ces voyous qu'on avait libéré les Founiké Mangé. Mamadou Doumbouya ne connaît que le rapport de force. Marana Fala Bé, la Guinée Kébirimbe. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force, la Guinée Kamré Moukeli, et non de Fala Djébé, et manifesté Mamadou Moussigama Dede. Et c'est ça la vérité. Birengana n'en comprend. Donc, nous demandons à tout le monde. Demain, il faut que Mrera manifeste. Les jeunes ont déjà commencé. Hein? L'Axe n'attend même pas. Mais chaque fois, hypocrite n'en amène. Il y a même un Mrendera. Oh non! Moi, je ne peux pas accepter l'UFDG. Je ne peux pas accepter le FNDC. Mais pourtant, ce n'est pas le FNDC qui a fait le coup d'État. Pourtant, ce n'est pas l'UFDG de la cellule qui a fait le coup d'État. Celui qui a fait le coup d'État, qui a renversé le président Alpha Condé. Pourtant, lui, il était avec nous. Troisième mandat, là, il était avec nous. Pourquoi les gens sont hypocrites? Pourquoi les gens ne pensent qu'à leur intérêt? Et j'entends des gens pour dire, oh non! Et je vais parler en parabole pour que la petite là comprenne. Si tu as affaire à X, il faut attaquer X là. Moi, tu mets pour moi dedans là. Tu le sais bien. Je parle en parabole. Ça juste, c'est le respect. Sinon, le jour que je vais sortir, ma chérie, tu vas juste regretter. Moi, je ne suis pas comme toi. Tu me connais bien. Tu sais combien de fois tu m'as parlé. Donnons-nous les mains, faisons ça des trucs. Tes mensonges au départ. Quand le coup d'État, Damaro, Mamadi Doumbouya, et Alpha Condé, ils ont fait un deal, tu ne sais pas, nanani. Maintenant là, depuis que le président Alpha Condé est sorti, vos mensonges là, où sont vos preuves maintenant? Où sont vos preuves? Mais quand tu parles, ceux qui parlent de toi là, il faut parler d'eux. Moi prochainement là, wallah, quand je vais sortir, quand je dis que j'ai du respect pour les femmes, mais Nikokiti Yerebouyen là, que toujours tu vas continuer, moi, tu vas faire plaisir aux gens de CNRD comme tu peux m'attaquer moi. Le jour que je vais te répondre, tu vas regretter, ma chérie. Tu vas regretter. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Vous voulez faire ce que vous voulez faire, faites-le. Mais enlève-moi dedans. Moi, je ne suis jamais allé vers toi. Je ne suis jamais allé vers toi. Depuis qu'on s'est connu, depuis qu'on a fait nos soutiens au RPG, quoi. Moi, je ne suis jamais allé vers toi. Tu le sais bien. Tu le sais bien. Et il faut faire beaucoup attention. Moi, quand tu parles de moi, ça dit celui qui t'attaque, il faut parler. Parce que moi, je ne vous considère même pas. Vos bêtises, si vous voulez faire, faites-le. Vous faites vos soutiens, ça apporte quoi?
La réalité sur le terrain, il n'y a pas de route. 19 200 personnes, fonction publique. 15 000 enseignants sans salaire. Le pays aujourd'hui, vous vous promenez, vous voyez les routes, l'état des routes. Donc, avec la NAF, Yakoura, Kanana, moi ne me parle pas en parabole. Moi ne m'attaque pas. Tu as affaire à quelqu'un, tu dis son nom, c'est fini. Mais moi, là, oublie-moi. Sinon, prochainement, ma sortie, wallah, tu vas regretter. Ça, je le dis. Hein. C'est pourquoi je vous dis, toute personne qui peut, moi, sortir contre moi, faites-le. Vous avez tout fait ici. Vous avez tout fait ici. Avec mon colocataire, vous avez tout fait, vous avez échoué. Hein? Vous avez tout fait ici. Avec mon colocataire, vous avez échoué. Vous avez tout fait. Même Fatou. Me mettre en palabre avec Fatou. Vous avez échoué. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Quoi? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Vos complices là, ils me voient ici, matin, midi, soir. Damaro. Ils voient Damaro. Ils savent comment est Damaro. Dans quel état est Damaro. Donc, je vous ai dit, faites vos conneries, mais moi, enlevez-moi dedans. Ne moussoula mou bougnan la lo. Ne fait casser moussoula mou. Mais, ne ka fok tire bougnan la. Kiketa ila la dou la le kono. Qu'il est venu, c'est manamana kando fola nema. Mbebouli kamar lomna wallah ibe dimisa. Parce que moi, je suis tellement direct. Je suis tellement correct. Que vous ne pouvez rien contre moi. Ça, c'est un petit conseil. En tout cas, pour vous. Vous aimez Mamadi parler. Nous, on a aimé le président Fakonde. On a parlé de ses acquis, ce qu'il a fait. Les barrages, les routes qu'il a eu à faire, les infrastructures qu'il a eu à faire, les réformes, guichets uniques et autres. Là. Nous, on parle de ça. Mais vous, vous êtes là que vous aimez Mamadi. Vous n'avez rien à faire, c'est de parler de nous. Ça, c'est juste un avertissement pour vous. Voilà. Prochainement, Ben Domen à mon mode d'aboutum. Comment il clash les faits? Je clash d'aimant. Je suis inquiet. Une fois seulement. Je vais sortir une fois seulement. Je vais juste montrer aux gens qui vous êtes. Donc, calmez-vous et moi, enlevez-moi dans vos bêtises là. Voilà. Enlevez-moi dans vos bêtises. Enlevez-moi dans vos bêtises. Et défendez ce que vous voulez défendre. Vous le faites pour l'intérêt, non? Vous avez dépassé qui? Vous avez eu quoi? Vous avez eu quoi? Vous regardez le pays aujourd'hui. L'état de nos routes. Où est la démocratie? Les gens sont kidnappés, tués. Et vous avez le kilo de venir vous asseoir devant nous. Les médias fermés. L'Internet aujourd'hui, presque le débit de connexion réduit. Les commerçants aujourd'hui, le port de Conakry, au temps du Fama, c'était 250 à 350 conteneurs par jour. Allez-y, demandez la douane s'il peut faire sortir aujourd'hui 100 conteneurs par jour. Allez-y, demandez. Avec ça, vous allez dire que le pays va bien. Le sac de riz qui était à 230 000. Nous sommes aujourd'hui à près de 400 000. Avec ça, vous dites que le pays va bien. De quel bilan vous parlez? Mamadi a échoué sur tous les plans. Et je vous ai déjà dit ça même fois. Le savoir-faire, ça compte. L'expérience. Mamadi est un bodo, un vaurien à la base. Il n'a pas de niveau. Au 21e siècle. Avec tous ces intellectuels que nous avons dans le pays, c'est un groupe de voyous qui se lèvent, prennent les armes, que non, c'est eux qui peuvent diriger ce pays. Et c'est vous, les démagogues, qui êtes là à encourager ça. Vous savez, même si un intellectuel, moi je ne dis pas que le régime du président Alpha Condé, des gens n'ont pas détourné, mais vous savez, un intellectuel, quand il détourne, s'il est économiste, il sait que l'État fait des recettes, si c'est 100, et il sait que les dépenses de l'État, c'est 80. Lui, peut-être, il va voler 5 ou 10. Il va rester. En tout cas, si c'est 80, l'État doit dépenser. Il va rester 10. Mais les voyous, là, n'ont pas de niveau. Tout ce qui rentre dans les caisses, le port de Conakry, c'est-à-dire la douane,
partout où l'État fait recette, les bandits là, ils avalent. Ils avalent tout ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le trésor, il n'y a presque rien aujourd'hui. Si vous voyez qu'ils mettent la pression sur les commerçants, vous savez pas que, vous ne voyez pas que ça fait pitié. Lorsque l'État met la pression, d'abord c'était les banques, ils ont crédit les banques, il n'y a plus rien. Maintenant, les bandits viennent sur les commerçants. Mais qui va payer le prix? Mais c'est le peuple. Lorsque vous augmentez les impôts, vous mettez la pression sur les opérateurs économiques de payer l'impôt. Qu'est-ce que les commerçants vont faire? Si le sac de riz était à 360 000, les jours à venir, vous allez voir le sac de riz, ça va augmenter. C'est le peuple qui paye ça. Et c'est cash. Le temps du famin, le porc était moins cher. OK? Et c'est ce que d'autres ne comprennent pas. Mamadi n'a pas le niveau. Le savoir-faire, là, ça lui manque. Il est là-bas pour la forme. Et regardez, il a été en Chine, sans protocole. Parce qu'Amaya Koulon, quand j'ai dit c'est un Bodo, Mamadi Doumbouya, un vrai Bodo, Amaya Koulon. Vous avez vu quel chef d'État, sans protocole. Oui. Et toi, le maudit de Kodialo Alpha, là, que c'est le président Alpha Condé qui t'a mis dans ça. Maudit, là. Nos routes nationales aujourd'hui, gâtées, là, c'est le président Alpha Condé. Maudit, là. La maison de Seloudalé, maudit, là. C'est le président Alpha Condé qui a cassé ça. Maudit, là. Les jeunes de l'Axe qui tombent, là. Maudit, là. C'est le président Alpha Condé. Tu as oublié que le 5 septembre, tu as applaudi. Tu as oublié. Le sac de riz qui augmente aujourd'hui, maudit, là. C'est le président Alpha Condé. Maudit, tous les leaders politiques aujourd'hui, hors du pays. Maudit, là. C'est le président Alpha Condé. Des idiots, là. Vous avez dit le changement, non? C'est la conséquence du changement. Ça n'a rien à voir avec le FAMA. Ça n'a rien à voir avec le président Alpha Condé. OK? Parce que vous, les brebis galeux, là, vous ne voulez pas changer. Continuez. Je vous ai dit, c'est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Le vieux, là. Le président Alpha Condé. Des fois, quand je le regarde, je dis non. Ah, lui, Dieu l'aime. 86 ans. Vous voyez le monsieur, la forme qu'il a. Il n'oublie rien. J'ai dit, c'est Dieu. Être victime de ce coup d'état des voyous, là, où les Sadiba même ont payé le prix. Ça dit, toi, tu sors. Il pouvait aller en Chine, il pouvait aller en France. Mais Dieu a fait qu'il a. Il s'est échappé du main des bandits. Sinon, les voyous, là, voulaient la mort du président Alpha Condé. Dieu est avec le président Alpha Condé. Wallah, Dieu est avec lui. Il fallait que le président Alpha Condé parte pour que les gens voient ça. Voilà. Voici le maudit que nous préférons Doumbouya. Mounam, pourquoi tu dis maintenant le maudit, c'est le président Alpha Condé qui nous a mis dans ça? Idiot, là. La haine va te tuer. Que non, nous préférons. Voilà. Quand tu préfères, tu fermes ta gueule parce que le président Alpha Condé n'est pas là. Nous, on parle de souffrance. Tu fermes ta gueule. Si tu préfères Mamadi, là, tu fermes ta gueule. OK? Si tu préfères Mamadi, tu fermes ta gueule. Tu ne dis absolument rien. Tu dois être content, heureux. Mais aigri, aigri. Tu n'aimes pas Mamadi, tu n'aimes pas Alpha Condé. Ça devient deux maladies à la fois. Donc, tu ne parles pas le nom d'Alpha Condé pour ça. Hein? Hein? Tu fermes ta gueule. Tu dis que tu préfères Mamadi. Pourquoi tu dis maintenant que tout ça là c'est Alpha Condé? Pourquoi? Si tu préfères Mamadi, mais tu fermes ta gueule. Tu vas les mouvements de soutien, tu vas soutenir Mamadi. C'est pourquoi j'ai dit les hypocrites du RPG, je ne prends pas ça. Ce n'est pas El Assoudan, l'UFDG ou les autres qui ont fait le coup d'État. C'est des gens même que le président Alpha Condé a nourri, a nommé, c'est eux qui l'ont trahi. Si vous les idiots là, vous ne comprenez pas que le coup d'État n'a rien à voir avec le troisième mandat, le coup d'État n'avait rien à voir avec nos problèmes en Guinée. C'est un groupe de voyous, un groupe de bandits, un groupe de narcos. C'est les narcos qui ont fait le coup d'État. Et pour servir la France, parce que le bandit Mamadi Doumbouya est un légionnaire. Et si vous voyez que les Occidentaux, personne n'a condamné. Ah, Abdraman Sadio, il faut rappeler à ces inconscients-là souvent qui n'ont rien compris
que le combat que l'UFDG a mené pour lutter contre le troisième mandat n'a rien à voir avec le coup d'État. Tout le combat de FNDC n'a rien à voir avec le coup d'État. Et c'est un groupe de bandits, de gangsters qui ont fait le coup d'État pour leur propre intérêt. Avant le coup d'État, Mamadou Doumbouya était déjà cité parmi ceux qui faisaient passer la drogue en Guinée. Mamadou était déjà sur cette liste. L'exemple frappant, Kaba qui a été extradé du Mali, là. C'est-à-dire son frère aussi, lui, il était en prison. Mais où sont ces gens-là aujourd'hui? Tous les narcos qui ont été arrêtés avant le coup d'État, les journalistes en parlaient, ils sont où aujourd'hui? Ils sont tous libres, avec des passeports de service guinéens. Ils vont partout dans le monde. Avec des passeports de service guinéens, parce que c'était des grands de Mamadou Doumbouya. Ils sont tous dans le même réseau. Mais je vous dis, hein, faites tout. Les Américains, là, wallah, ils ne sont pas pressés. Beaucoup d'officiers guinéens vont faire la prison après la transition. Partout où vous allez partir, que ce soit en Europe, ici aux États-Unis, wallah, vous allez faire la prison. Ça, je vous le dis, hein, beaucoup vont faire la prison. Les Américains voient tout. Ils ne font même pas de bruit. Voilà.